Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien, que vous allez commencer, que vous avez commencé ce beau lundi matin, soit en vacances, soit au travail. Ici, c'est un temps laiteux, très épais, très lourd. C'est l'été. Voilà, donc on va voir s'il va faire beau, mais c'est pas grave, il fait pas beau, on va trouver à s'occuper, voilà, tout simplement. Désolée, j'ai la voix un petit peu enrouée parce que le pollen est toujours là, hein. Mais c'est pas grave, on fait avec, voilà. Alors, le thème de cette vidéo. C'est enfin le thème, non, le partage, le but en fait, c'est de vous repartager les jeux de base qui travaillent sur le personnel. Donc, on est beaucoup ce qu'on dit, c'est jeux de guérison. Je dirais plus ces jeux qui font du bien pour contribuer à avancer par rapport à nos blocages, si on veut bien y travailler. Et en ce moment, je suis en train de d'éclaircir un peu ma cartothèque de la ranger, on va dire. Je la range parce que au fur et à mesure où j'achète des nouveaux, hop, je mets ça là une fois et que j'ai bien regardé le jeu et tout, je le range, mais au fur et à mesure, là, par exemple, là où je vous parle, j'ai ma cartothèque sous les yeux et je me dis, ah, c'est un peu fouillis, quand même. Et en rangeant, il y a une case de jeu où je me suis dit, il va falloir que j'arrête, en fait, d'acheter des jeux de cette catégorie parce que je m'aperçois que je m'en sers très très rarement, même s'ils sont magnifiques, mais ce ne sont pas des thèmes où je pense, hein, c'est par rapport à ce que je pense, hein. Voilà, chacun a sa façon ou son envie, bien sûr. Mais ce contexte-là, je pense que il n'y a pas besoin de 36 000 jeux. Je pense qu'à un moment, on en a peut-être assez. Et puis voilà, pouvoir continuer à travailler avec ce qu'il y a. Parce que j'ai très envie de continuer ma collection, évidemment. Mais j'ai envie d'être plus sélective. Et puis d'avoir on va dire, des thèmes de jeu que j'ai envie de me servir vraiment plus souvent. Plus souvent, beaucoup plus souvent. Voilà, même si ceux que je vais vous montrer, je les adore et si je m'en sers très rarement, je les sors pour les admirer. Il y en a certains que je sors beaucoup plus souvent, mais à usage personnel. Mais les autres, j'en ressens pas le besoin pour mon usage personnel. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai aidé quelqu'un avec. Donc, il sert, c'est clair, mais très très rarement. Et je suis plus dans le même contexte de la cartomancie avec ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter les jeux qui portent sur ce travail
personnelle, parce que je pense que j'en ai assez. Voilà, alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y en a 21. Est-ce que je fais une seule ou deux? Bon, alors c'est vrai qu'avec moi, vous avez l'habitude que ce soit pas très rapide. Je vais peut-être faire une seule parce que, bon, oui, une seule. Hein. Bah, vous aurez peut-être les moyens d'accélérer si toutefois ça ne vous intéresse pas. Hein, et, ou regardez en deux fois. Ou pour les autres, en une seule fois. À vous de voir. Alors, on va commencer par celui-ci que j'adore. Qui est... porter vraiment sur les énergies des chakras avec les cartes complémentaires, c'est-à-dire Gaïa et la source. Voilà, et nous avons tous les chakras. Nous avons tous les chakras, donc on peut travailler sur un équilibre de chakras. Moi, j'aime bien le prendre en complément avec le pendule. Quand on fait un rééquilibrage de chakras, donc je m'en sers pour les personnes qui sont en demande et je m'en sers pour moi, je m'en sers pour les amis, la famille, enfin voilà. Il est magnifique, c'est le seul que j'ai qui porte vraiment sur les chakras et ça me suffit amplement. J'adore cet effet crayonné, cette légèreté de couleur pour mettre le chakra en valeur, hein, et le reste qui est prononcé mais qui s'efface un petit peu. Voilà, elle est magnifique celle-ci, la vérité. Voilà, le livret est explicite. Et magnifique à travailler. Voilà, et voilà, c'est le seul que j'ai par rapport à ça. Et ça me suffit, tout simplement. Voilà, il y a donc la signification par la carte, comme ça, l'écoute, mettons. Hein. Et puis, j'active l'énergie en fonction de ce chakra-là. Voilà. Alors, voici pour un. Ensuite, on passe... alors, j'ai pas pris dans l'ordre, hein, de l'ancienneté à maintenant. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'en sers... si je ne m'en sers pas, on va dire, quelque part, pour le thème de la guérison, la voie de la guérison en soi, je m'en sers aussi pour des énergies. Je trouve qu'il est très très bien pour les énergies aussi. Et il est tout simplement magnifique. C'est vrai que dans le lot, il y en a... voilà. Bon, alors, ce que j'ai, de toute façon, je ne m'en séparerai jamais. J'en ai vendu 4, 5. 5, c'était des jeux d'Isabelle Serre. La vie intérieure, machin, ceci. Enfin, voilà, tous ces jeux qui étaient très colorés. Où j'accrochais pas du tout. Et voilà. Et ce que j'ai gardé, eh bien voilà, c'est cela. Voilà. Celui-ci, il va continuer clairement à me suivre. Pourquoi je le sais? Ah oui, c'est parce que j'ai voulu une fois m'en servir
En énergie, et puis en fait, oui, il peut faire deux en un en fait. Hein. Vous pouvez, bah alors, bien sûr, voilà, bah, je suis tombée sur l'abondance. Vous avez le texte qui est là, qui est parfait pour justement travailler un petit peu plus en profondeur sur le thème tiré. Et ensuite, voilà, il y a ça aussi pour travailler, il y a ça aussi pour travailler, mais en énergie, en fait, je me sers des mots, juste des mots-clés comme ça. Et puis, je travaille sans le texte, je travaille juste avec l'illustration et l'illustration et le mot-clé. Et donc, ça me donne la température des énergies de la semaine. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai fait ce système-là pour le ressortir très souvent parce que il est magnifique. Ensuite, un autre que je sors pas mal. Alors, c'est vrai que là, c'est pareil. C'est un support qui travaille sur les profondeurs où vraiment, regardez, c'est à quel point je m'en suis servi pas mal. Je continue d'ailleurs. Hein. Sur juste une réflexion comme ça, tu te dis, tiens, j'aimerais bien dégager quelque chose, juste dégager quelque chose. Et bien voilà, je le prends. Alors je m'en sers pour d'autres aussi, parce que, enfin, surtout les personnes qui aiment écrire. Qui aime poser des mots sur quelque chose. Et bien voilà, tu prends ta carte, mettons là, élargissez votre spectre. Tu as la lecture de cette carte. Alors donc, prends le temps de comprendre, de te poser sur cette lecture. Et puis ensuite, tu as le rituel. Donc des petits conseils que tu peux faire. Et ensuite, tu as cette écriture intuitive qui est superbe. C'est le deuxième support que j'ai qui incite à poser. On peut le faire avec tous, évidemment. Mais voilà, là, c'est un peu plus on va dire accompagné. Comme le support de l'oracle Poésis, où tu sors un mot et puis tu te concentres sur ce mot, parce que tu sais que ce mot, c'est le mot de tes énergies du moment. Donc, il y a quelque chose à écrire autour, il y a quelque chose à comprendre autour. Et puis, ben là, ça fait la même chose, sauf que quand tu écris, eh bien, tu commences par je, hein, c'est moi. Voilà, et puis les illustrations sont tout simplement magnifiques. Voilà. Alors, c'est pas un jeu dont je me sers à faire de grands tirages parce qu'il demande. Il demande à ne pas faire du n'importe quoi avec, en fait. Hein, il demande à travailler chaque chose au bon moment. Et prendre le temps de travailler à chaque fois. Hein. Voilà, et donc je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime beaucoup celui-ci, avec cet effet très très aquarellé. Il pourrait paraître très féminin, mais moi j'ai envie de dire tout le monde porte ce côté féminin et ce côté masculin. Voilà, il va vraiment pour tout le monde. Hein.
Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci. Je crois que celui-ci, actuellement, ce serait la petite bête noire version oracle. Alors, je crois que... Je pense qu'un jour, il va finir par quitter. Par quitter la cartothèque. Voilà. Bon, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, hein, lors d'un tag. Où j'accroche pas du tout avec le livre. Et voilà. Tout simplement. Les illustrations sont superbes. Mais à voir. C'est vraiment... c'est un jeu, en fait, quand il y a un truc qui bloque dans un jeu, c'est pas le jeu où tu bosses prioritairement. Et tu te dis jusqu'où il va dormir ou traîner. On va voir. Ensuite, j'ai quoi? J'ai celui-ci que je trouve très très bien. C'est le mot karma, moi, qui me gêne un petit peu, mais voilà, je trouve que la lecture est plutôt sympa, un peu longuée au début, enfin au début. Bien sûr, quand tu t'intéresses à la description et puis certaines choses à comprendre par la carte, mais ensuite, une fois que tu connais un petit peu, tu t'intéresses uniquement au message du maître Karma. Voilà, c'est un bouquin qui se travaille aussi, enfin un bouquin, un jeu qui se travaille aussi à la carte, hein. C'est pour ça que c'est pas un jeu qui sort c'est pas un jeu que l'on sort régulièrement. Voilà, il faut vraiment être centré sur le problème qui est ressorti, et puis se dire que ce problème là il faut y aller en profondeur avant d'en sortir un autre, on va dire. Voilà, il est magnifique. Moi, j'adore les illustrations. Il est carrément différent de tout ce qu'il y a en termes de couleurs. C'est magnifique. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais travaillé sur ça. L'impossible que l'on veut rendre possible, et à quel point les personnes se donnent du mal. Elles se donnent du mal parce que au début, on voudrait rendre cette chose possible parce que on en a les sentiments. On a ce petit truc qui attire, et au fur et à mesure où il y a les refus, le sentiment disparaît, mais après, on parle de caractère. On prend ça comme une guerre à gagner. Et c'est là qu'on commence à se faire mal. Parce qu'on dit c'est moi qui aurai le dernier mot. Parce qu'on dit je gagnerai, je l'aurai. Tel un enfant qui veut un jouet dont le parent ne veut pas offrir. Là, c'est la même chose. Je l'aurai. Et à force de vouloir, on ne voit pas la réalité des choses. On ne veut même pas la comprendre, cette réalité, parce qu'on on sait qu'on le veut. Voilà, par tout moyen, on le veut. Et c'est là que ça devient très dangereux, parce que quand ça casse et qu'on a ce regard qui redevient, en fait, qui retombe sur la réalité des choses,
on est perdu. On est perdu sur plusieurs choses. On est perdu parce qu'on a perdu, de toute façon, cette déception d'avoir perdu. Il y a ça. Et ensuite, cette colère envers soi-même de se dire, j'ai été prétentieux ou prétentieuse, hein, je sais pas, pour avoir cru égoïstement aussi. Voilà, tout. Plein de choses comme ça, et c'est des thèmes très très intéressants avec lesquels je travaille en ce moment parce que je rencontre beaucoup de consultantes hein, en général qui sont dans ce problème-là. Voilà, c'était la petite parenthèse, enfin, à quel point voilà ce genre de jeu peut parler, hein, te dire peut-être que ça vient de plus loin. Il faut regarder pourquoi ce comportement t'empêche de vivre, en fait. Voilà. Mais c'est un très très beau jeu. Ensuite. Celui-ci, la voie de la découverte intérieure. Il est magnifique aussi. Je le travaille avec les gens. Je le travaille, je me souviens pas. Non, je pense pas. Je l'ai pas travaillé pour moi, celui-ci. Mais je l'ai travaillé pour les amis, pour la famille et puis pour. C'était des personnes extérieures et il est magnifique. Alors après là c'est pareil, c'est le genre de jeu où qui ne se suffit pas d'une seule comment dire, d'une seule consultation ou même la personne qui se le fait, il suffit pas d'une carte de lire, dire ah ok d'accord je comprends puis hop basta. Ben non, c'est des choses vraiment à travailler très sérieusement. Enfin, pour ce genre de support, il faut dire j'ai envie. Faut pas dire j'ai envie, mais. Ou alors j'aimerais bien. Non, c'est j'ai envie. Voilà, c'est ce mot-là qu'il faut avoir en tête. Ou je suis prêt. Voilà, je suis prêt, je suis prête. Enfin, voilà, je suis prêt et déterminé à travailler, à accepter ce qui ne va pas. Voilà, parce que ce sont des cartes, mais ce ne sont pas des simples jeux. Hein. Alors celui-ci, j'adore. Il est très épuré. Là, il y a des cartes doubles, expression et intériorisation, j'adore. Il apporte beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui m'a plu au début, c'est ce dos très, on va dire. Vibratoire. Et puis ce côté très épuré, c'est comme ces cahiers de coloriage méditatif, détente, voilà. Mais en fait, bon, il n'y a pas que l'illustration, hein, il bosse vraiment très très bien. On est sur de la profondeur là aussi, hein. Donc ça, c'est le genre de jeu qui ne sort pas, qui ne ressort pas non plus régulièrement.
Ensuite, il y a celui-ci. C'est pareil, l'oracle des rêves, c'est un support qui t'invite à aller au plus profond de toi-même aussi, hein. On est, sur une psychologie aussi, hein. Alors, on a la petite phrase clé si on veut travailler uniquement avec ça, et puis si on veut lire un peu plus les détails, et cette invitation à un petit rituel, voilà, comme là l'évasion, le petit rituel, c'est accordez-vous une nouvelle expérience, faites comme vous le pouvez. À une petite ou grande échelle, enfin voilà, c'est vraiment des conseils qui te poussent aussi, hein, voilà. Alors c'est pareil, je pense que ce ne sont, enfin pour moi, ça n'est pas un jeu qui se travaille à 36 000 cartes, hein. Ce côté noir et blanc que j'adore. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui apporte un petit peu quand même la réalité des choses. C'est pour ça que je disais en début, hein, qu'il faut être prêt à accueillir. Hein. Faut même savoir, tiens, j'ai ce blocage, je le reconnais, je le sais, je le sens. Peut-être que c'est un côté très mauvaise foi, il est possible, hein, aussi. Enfin, faut vraiment accueillir le truc, trouver son identité à ce blocage. Et ensuite, pour dire, bah tiens, regarde ce que tu peux faire avec ça. Après, c'est le genre de jeu où je pense, où il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas juste dire, ah, ça y est, d'accord, ok, il m'a dit, bon, bah c'est bien. Ouais, mais j'ai toujours... voilà. Alors, nous avons celui-ci, l'oracle de lumière. Eh bien, c'est le même type. Voilà. C'est le même type. On te passe sur une espèce de fragilité ou te dire... d'où ça peut venir, ou qu'est-ce que tu pourrais faire à ça, enfin voilà, c'est le même genre de jeu. On n'est pas sur de la guidance avec ça, enfin pour moi, hein. Ni sur du divinatoire. On est sur des choses positives et négatives. Peut-être que voilà, tu as un problème qui tourne autour de toi, et puis finalement on te dit non, il y a quelque chose ailleurs parce que tout va bien, tout simplement. Peut-être un petit manque de confiance. Ben voilà, je le prends comme ça personnellement. Je crois que je vais être gênée pour ma journée. J'ai toussé cette nuit. Hop, je sais pas s'il n'y a pas des petits... Si, voilà, il y a le mantra. Voilà, puis le petit rituel. Il y a beaucoup de lectures, c'est clair, mais on n'est pas obligé de... Enfin, quand on connaît pas, si, c'est quand même intéressant d'aller jusqu'au bout. Mais ensuite, on peut aller directement au message et ensuite le rituel. Là, celui-ci, j'en ai parlé il y a pas longtemps, je crois, dans un tag. Gabriel Sanchez.
Alors, il y en a deux où j'ai pas mis en catégorie guérison parce que on est sur plus de guidance, mais sinon il est très très prononcé sur le soutien mental, physique, vraiment, vraiment, vraiment. Les illustrations sont magnifiques, les textes sont magnifiques. C'est vraiment un créateur pour moi qu'il faut lire. Voilà. Et d'ailleurs, où est son bouquin? Ah bon, bah il est sur l'étagère du dessous. Je ne vais pas aller le chercher, mais vraiment, celui-ci, Le souffle des Amazones, c'est vraiment quelque chose de fort, exactement comme celui-ci, où on est parti dans des choses beaucoup plus douloureuses. Hein. Je pense que ce sont des messages de soutien et d'aide pour ces femmes qui sont, on va dire, prisonnières hein, dans les griffes de la perversité. Ces violences mentales. Et voilà, alors c'est pas, moi je pense, bon, c'est vrai que ce genre de, comment dire, de situation, on ne peut pas les arranger avec une carte, un jeu ou quoi que ce soit, ça c'est clair. Ce sont des choses beaucoup plus beaucoup plus subtil, hein, la perversité, le narcissisme, c'est très 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 c'est très compliqué parce qu'on a peur d'être jugé et puis parce qu'il y a la honte aussi, il y a la culpabilité, il y a cette identité complètement effacée, il y a la fragilité, la peur, enfin tout ça qui s'installe et ça demande du travail. Et alors évidemment que ça n'est pas un support qui va guérir et aider tout ça. Hein. Il y a vraiment besoin d'un très grand et long accompagnement parce que les femmes qui réussissent à partir, il y a encore un long travail derrière pour se reconstruire. Mais alors, quand je dis se reconstruire, ça n'est pas que mental, il y a vraiment un tout. Et c'est beaucoup plus long qu'une blessure physique. Parce que j'ai des cas hein, qui viennent et là, tu es obligé. Tu travailles avec eux, bien sûr, hein, mais il faut l'accompagnement de spécialistes hein, quand même. Hein. Gros même. Mais ce support est quelque chose de très beau. C'est un grand soutien, voilà, qui peut peut-être t'aider à accepter, à dire ok, d'accord, j'arrête le déni et je vais prendre la force que je dois prendre, je vais renaître, par exemple, je vais travailler avec cette peur profonde, voilà. Se demander, c'est ça aussi. C'est très dur comme travail, mais quand il y a ce genre de problème là, à l'instant T, il faut malheureusement,
Oui, malheureusement. Retourner, retourner, retourner très loin, c'est-à-dire à la rencontre. Comment ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste les gestes, la rencontre, les mouvements, comment il était, comment on se percevait, tout ça. Comment je le percevais, tout ça. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Voilà. Donc c'est un très, très beau support, mais ça n'est pas un support que l'on sort comme ça à la légère. Et je pense que c'est un support qui a besoin de lecture, qui ne se prend pas à la légère, je pense, hein, comme un oracle de guérison classique, on va dire. Voilà. Donc, c'est dire qu'il ne sort pas souvent du tout. Uniquement les personnes avec qui je travaille un peu plus profondément, sous la demande, et vraiment, vraiment, c'est juste, on va dire, un soutien, hein, parce que j'insiste en disant que les cartes sont magiques, ouais, elles sont magiques, c'est clair, mais elles n'ont pas ce pouvoir de guérison, hein. Il y a quand même l'aspect scientifique, médical dedans, hein, qu'il faut prendre en compte sur certaines blessures, hein. Voilà. Alors, l'oracle de la sorcière noire et des runes, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je vais pas vous le montrer en fait, parce que je l'ai mis dans la catégorie de Gabriel Sanchez, mais en fait, non. Il va rejoindre les deux autres là-bas. Parce que il n'a pas trop. Je vais éternuer. Je vais éternuer, je vais pas éternuer. Non, ça va. Il va pas trop avec ce genre. Alors, nous avons celui-ci qui est. Je vais tousser. Je reviens. Ah, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai laissé la fenêtre ouverte, mais quand il fait beau comme ça, je peux pas m'empêcher. Enfin, il fait beau. Il n'y a pas de soleil, mais il pleut pas. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je disais plutôt? Qu'il n'y a pas longtemps. Qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai. Je m'en suis pas resservie depuis que j'ai fait. Oh, je suis désolée. Une guidance. C'est une espèce de guidance quelque part. Là, on peut mettre un peu plus de cartes. On a des choses à raconter. Il y a des petits rituels si l'on veut. On peut travailler avec une seule carte, bien se concentrer dessus. On est sur quelque chose d'un peu plus léger là, hein. On est sur quelque chose que l'on peut travailler tout seul. Il est très beau. Il est très très beau et j'aime beaucoup beaucoup les illustrations. Voilà, et il a des mots-clés vraiment vraiment bien, qui parlent bien et qui peuvent te lancer. Oh, excusez-moi, je pleure maintenant, je suis désolée. Voilà, j'ai mon chat, mon coq, enfin pas mon coq, le coq. Je dis mon parce qu'ils sont mignons tous les deux. Il y en a un, ils sont tous les deux aux extrémités du village. Donc je peux vous dire, quand il y en a un qui chante, il envoie, hein, pour l'autre. Puis voilà. Hop, il a la réponse. J'adore. Donc, je disais que on peut se servir tout simplement aussi du mot-clé, parce qu'ils sont à la portée
de toute réflexion, de toute intuition, voilà, des ressentis, hein. Il y a une, oh là là, il y a une fluidité. Voilà. Et puis, il est très énergisant. Mais dans le bon sens, hein, voilà. J'adore cette. Alors, on pourrait dire, oh, pourquoi pas travailler avec la connexion divine, avec ça. Alors, oui, mais moi je dirais que c'est beaucoup plus sur les énergies mentales, hein. Voilà, avec la foi que l'on a, que l'on accepte tout simplement. Et il y en a pour tout le monde, hein, le monde des fées, les autres fois. On est vraiment sur des énergies de bienveillance. Pour moi, c'est une douceur qui complète sur un travail personnel, si bien sûr on est dans cette foi. J'ai le jardinier de la commune qui en rajoute. Je vais me retrouver avec plein de trucs dans le nez. Oh. Pourtant, non, il fait lourd. Je vais pas fermer. Hein. Je suis désolée pour le bruit. J'espère que vous en aurez pas trop. Mais il fait tellement lourd que je pourrais pas fermer la fenêtre. Alors, ensuite, nous avons la série. Voilà. Alors c'est pareil, je les ai mis dans le contexte du travail personnel parce que ce sont de très très beaux supports qui t'emmènent à la réflexion. Voilà, tout simplement. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, voilà. On te dit arrête d'être dans le déni et puis ouvre un petit peu les portes sur ton honnêteté déjà et sur la réalité des choses. Donc voilà, on est sur quelque chose de plus léger là aussi, hein, qui est abordable pour tout le monde et qui est même quelque part dans le quotidien de tous. Hein. Voilà. On peut travailler uniquement avec ça et ça. C'est fluide. C'est très très fluide. Et les illustrations sont magnifiques. Oh, c'est vraiment. Il fait vraiment du bruit. Hein. Bon, je vais. Après ça, je vais quand même aller fermer. Parce que ça risque à être. Pour vous. Je préfère entendre mon coq, enfin mes coqs. L'autre va pas tarder à répondre, je pense. Voilà. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont pas tout jeunes, hein, ceux-là. Hein. Un petit moment que je les ai. J'adore le dos. Le dos, il me fait penser. Non, mais là, non, quand tu regardes comme ça, non, c'est pas ça. J'allais dire une bêtise. Voilà. Bon, ben, j'ai. Ah! Il a répondu. J'ai fermé, on entendra moins. Moins le. En train de d'élaguer les arbres là. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, celui-ci, la porte de l'âme, c'est celui que j'ai acheté en premier. C'était à Cora d'ailleurs. Voilà, et il manquait une carte. Il manquait une carte, mais bon, ils l'ont jamais. Renvoyer, ça devait être un défaut parce que Cora m'avait donné un autre jeu, mais c'était pareil.
Et puis j'ai jamais eu, mais j'ai dit c'est pas grave, c'est comme ça, il manque une carte. On va pas, hein? Voilà, et bien là c'est pareil, il est assez, il est percutant dans la douceur, et oui, il va au plus profond de toi. Ce ne sont pas des jeux qui sont, comment dire, au perché, hein. C'est pas parce que il y a, excusez-moi, j'ai encore ce truc qui rentre dans la pièce, ça m'écrase là. Donc oui, ce ne sont pas des jeux qui sont au perché. Au contraire, on est vraiment dans l'acceptation des choses et tout. Bon, d'accord, l'ange gardien et tout, ok, mais c'est assez rationnel, enfin, moi, je le sens comme ça. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé tellement intéressant que... J'ai eu les autres, par contre, sur Amazon parce que à Cora, il n'y avait que celui-ci. Voilà. Donc, et quand j'ai vu qu'il y en avait deux autres, ben, j'ai dit je vais compléter. Hein? Voilà. On n'est pas sur des jeux. Alors, ceux-là, à la limite, si. Tu peux en prendre 3, 4, tu peux en prendre pas plus non plus. Je le prends pas en tant que guidance de toute façon. Je le prends juste pour... Bah, c'est pareil, le message. J'ai un blocage, je sais ce que j'ai. Mais s'il te plaît, dis-moi toi ce que tu en penses. Voilà. Moi, j'aime bien poser les questions de cette manière-là à mes jeux parce que on rentre dans une espèce de contact et on ne se pose pas, ça nous empêche de se poser la réponse que l'on espère. Parce que quand on travaille pour soi, il ne faut pas espérer une réponse. Il faut demander au jeu de te comprendre comme quand tu parles avec un ami. Quand tu parles avec un ami, tu n'attends pas à ce que ton ami, enfin personnellement, hein, mais tu n'attends pas, j'attends pas que mon ami me dise ce que j'ai envie d'entendre. J'ai envie qu'il me dise ce qu'il comprend et puis ce qu'il pourrait t'aider. Alors, nous allons passer à ces deux-là. Alors, je vous avais dit en début que j'en ai vendu 4 ou 5, je ne sais plus. La version très colorée d'Isabelle Serre, que je trouvais très, très, on va dire, commerciale. Et puis... de là, ma fille et mon petit amour ne savaient pas que je m'étais, on va dire, séparée, on va dire, du contexte d'Isabelle Serre. Et ma fille, partant en vacances dans le sud avec ses grands-parents, elle m'a dit... Maman, je t'ai trouvé quelque chose, vraiment, je suis sûre que tu vas aimer. Et en fait, c'est parce que la voix des âmes, voilà, comme elle me connaît, elle connaît mes capacités, et donc du coup, bah pour elle, elle s'est dit, voilà, hein. Et donc, c'est pour ça que je la garde, parce que... J'ai adoré sa joie et son enthousiasme à ma fille, mais j'ai retrouvé ce côté très limité. En fait, par contre, en revanche, quand même, et c'est pas parce que c'est ma fille qui me l'a offert, j'adore le toucher et puis ce côté très épuré.
Là, on est vraiment à quelque chose de plus sobre, de plus attirant, on va dire, hein, psychologiquement. Mais bon, c'est, je sais pas, c'est très limité, mais il pourrait être très bien pour avoir un petit message. Voilà. Je m'en sers pas plus que ça, en fait. Je ne m'en sers une fois, si, 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 si. Marie, c'est pas bien ce que tu dis. En fait, j'avais fait un test. J'avais fait un test où on avait fait une Ouija. Alors, Isa, si tu passes par là, dis-moi si tu t'en souviens. Et je crois que c'est avec ce jeu-là qu'on l'avait fait. Où j'avais mis deux ou trois cartes, je crois, hein, sur la Ouija, pour savoir si la défunte que Isa avait demandé en contact, les d'ailleurs, hein, parce que c'était deux, voulait interagir avec. Ils ont interagi. Et en fait, la carte était vraiment, vraiment liée avec la discussion qu'elle avait eue avec eux. Avant. Donc, je trouvais ça génial. Alors, Isa, pour te rappeler, je ne sais pas si tu te souviens, c'est quand on était en Bretagne. Voilà. Donc, si tu passes, tu me diras. Voilà, si tu t'en souviens. Et puis, alors, du coup, c'est une suite. Et j'ai envie de dire, quelque part, des fois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard en disant. Tu as vendu les jeux d'Isabelle Serre, eh bien tu vas en avoir d'autres. Parce que Mamour a été faire des courses. Hein, et puis, ben, Mamour, lui, il n'attend pas les anniversaires, les machins. Quand il veut faire plaisir, un petit coucou comme ça et tout, voilà, il revient avec un cadeau. Et il sait très bien ce qui me fait plaisir. Et comme il a vu que notre fille m'avait offert ça, eh bien il s'est dit, après la voix, on va lui offrir les cris. Voilà, le cri des âmes. Et donc on a bien bien rigolé parce que il fait, ouais, chouette, c'est la suite. Ouf, j'ai eu peur, je croyais que c'était pas. Et puis voilà. Et très épuré et très beau. Alors là, c'est pareil, je ne dis pas ça parce que c'est Mamour qui me l'a offert. C'est honnêtement, ça a drôlement bien évolué, je trouve, par rapport aux autres jeux qu'elle a fait. Mais là encore, je dis, c'est uniquement mon truc, hein. Enfin, ouais, mon rapport avec ces jeux. Voilà, moi il y a un truc qui passe pas, moi, avec cette personnalité. Je sais pas pourquoi, hein, je sais pas. Bon, c'est partout pareil, hein. Ça passe ou ça casse, voilà, tout simplement. Et puis, c'est des jeux qui ne sortiront pas de toute façon parce que. C'est la façon dont déjà ils m'ont été offerts. Et je trouve ça merveilleux. Voilà, c'est pas génial, c'est merveilleux. Et puis, bon, ben, les illustrations sont vraiment très très belles. C'est épuré, c'est sympa, il est agréable au toucher. Voilà. Peut-être qu'un jour je m'y réintéresserai sous un autre regard. C'est peut-être parce que j'ai été trop, on va dire, trop dans le refus des autres jeux que je trouvais
trop commercial et donc du coup pas assez détaillé, très commercial. Voilà, tout simplement. Des suites, vous voyez. Après le machin, comme là, là, là c'est une suite. Voilà. La voix des âmes et le cri des âmes. Après on peut faire le pleur des âmes, le machin. Voilà, c'est peut-être, je sais pas, cet effet-là qui me fait que ça me bloque un peu. Voilà, alors ensuite dans ce style de jeu-là, c'est pareil. J'en ai acheté un. Il est sympa, vraiment, hein, il est sympa, mais voilà, les images au visage trop réel de cette façon, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. J'aime pas. Et, alors celui-ci, bon, ça va, il est limite, il est bien fait, il est correct. Et je le garderai parce que c'est le seul dans ce style-là que j'ai. Bon, on voit clairement qu'il y a du photo montage, mais il est bien fait, hein. Bon, alors ça peut être des personnes qui se sont aussi habillées et tout, et puis photo montage par-dessus. Donc, il est très beau, il est bien fait, mais il n'y en aura pas d'autres de ce genre, de ce genre-là. Par contre, je trouve qu'il envoie. Il en voit pas mal aussi dans la réflexion, dans vous êtes accompagné pour ce passage, voilà, dans l'accompagnement, je sais ce que j'allais dire. Et donc je trouve ça, je trouve qu'il bosse bien et je m'en sers hein, de temps en temps pour faire deux ou trois cartes d'énergie aussi, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait ça avec. Il est sympa, hein? Il est beau. Hein? Et celle-ci est effrayante, elle me rappelle. Elle me rappelle cette femme que j'ai vue dans ma chambre quand j'avais, on va dire, une dizaine d'années, 10-12 ans. Enfin, bon, bref. Et. Et en fait, bon, bah, il est sympa. Hein. Ce sont des photomontages qui sont quand même bien faits. On en fait avec la technologie, hein, quand même. Voilà, quand c'est bien fait, moi, je trouve ça sympa. Mais j'en ferai pas une collection hein, non plus. Hein. Voilà, là, c'est trop réaliste là, voilà, on voit trop. Mais bon, il est bien, il est bien, il est bien. En tout cas, il parle bien, les textes sont bien faits quand même. Et puis, on a les origines de ces gardiennes des mythes. C'est pour ça que ça aurait été intéressant de l'avoir en façon crayonnée, quelque part. Pour s'approcher un peu plus en fait de ce côté historique, parce que là on voit des personnes d'aujourd'hui, des personnes de nos générations, et elles n'ont pas du tout la tête à ça, la fille. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que la façon crayonnée, quelque part, on aurait eu plus en genre des personnages avec l'imagination de la créatrice. Voilà, de la créatrice. Et, mais en revanche, j'aime bien. Il y a d'où ça vient. Il y a la légende et puis il y a le mot-clé. Donc il est bien, il est sympa, hein. Il est bien. Il est très bien. Ensuite, nous avons. Oh, il en reste plus que deux. Hein. l'oracle du voyage intérieur, hein. Là c'est pareil. On est pour moi, hein, un petit travail, bah, il le dit tout seul, hein. Le voyage intérieur.
Voilà, un petit travail intérieur très mental. Et il est magnifique ce petit jeu aussi. Très aquarellé et assez vif. Voilà, ça ressort bien. Peut-être pour nous bien nous attraper en fait hein, visuellement hein, pour qu'on se concentre sur le travail du moment. Voilà. Il est très très beau. Oh, le collectif, oh là là. Ça, c'est quelque chose en général, hein, je parle, par rapport, depuis le temps où je travaille avec les gens. Hein, bah, c'est un mot qu'on commence à perdre. On est plus dans ça. Voilà. On est plus dans ça. Alors, nous avons voilà le texte, le conseil et l'affirmation. Donc là, c'est pareil. En fonction du texte, vous pouvez en prendre qu'une seule. Et alors là, on est dans quelque chose de plus léger aussi, hein. On en prend une et puis on se dit, ah ouais, peut-être qu'en ce moment, c'est un peu ça et tout. Et puis, ben, on se concentre dessus et puis on travaille avec. Ou on en prend deux ou trois. Mais dans ce genre de travail, il ne faut pas en prendre plus. Un autre qui est assez balèze, qui est assez costaud, que j'adore. Pour le coup, je trouve qu'il se détache, tout comme celui-ci, là. Qu'il se détache un petit peu du monde des autres. Parce que là, il est en train de te dire, je vais travailler avec toi, mais prépare-toi à tout entendre et prépare-toi quelque part à être à la fin une autre que tu as enfouie en toi, que tu ne voulais pas voir peut-être. Et tu as plutôt intérêt de vouloir entendre. Voilà, c'est pour moi ce beau support, c'est à partir du moment où tu m'ouvres, tu dois aller jusqu'au bout. C'est le message que j'ai reçu en pleine face quand j'ai commencé à l'ouvrir. Parce que oui, il enlève il gomme des dénis, il enlève des complexes, il est brut de pomme. Il apporte de la force. Il peut apporter aussi un équilibre, c'est-à-dire faire accepter un sentiment, une fragilité à une personne qui veut se sentir trop caractérielle ou trop forte ou voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et faire accepter des tabous. Alors, quand je parle de tabou, c'est que tu peux avoir des pensées en toi que tu ne veux pas ressortir parce que tu te sens pas légitime, que ce soit en expression ou physique. Et lui, il te dit, si tu m'ouvres, tu vas avoir ta réponse, mais tu as plutôt intérêt de te dire que tu es légitime.
Voilà, il est tout simplement magnifique. Ça, c'est vraiment. Alors, Gulliver. Celui-là, il a été fait avec deux personnes. J'ai son tarot. Un Gulliver type Marseille, qui est magnifique. Et j'avais un autre oracle. Et voilà, on est encore dans le truc où on se dit pourquoi je l'ai vendu. Ah oui, c'est parce que il était très médiéval et il était beau. J'adorais. Et j'avais un problème avec le texte aussi, moi, c'est ça. Et qui était un petit peu trop médiéval, le texte. Mais je me suis dit, mais quelle idiote, parce que j'aurais pu le garder et prendre un petit peu plus de maturité par rapport à ça. Peut-être qu'un jour, je le reprendrai parce que c'est une personne qui vraiment apporte de très, très, très beau travail. Voilà. Donc, c'est un jeu qui n'a pas de tabou. C'est si tu m'ouvres, voilà. D'accord? On ne fait pas le déni. On ne dit pas, oh, ça m'étonnerait, j'ai pioché la mauvaise carte. Enfin, voilà. Tout ça. Donc, c'est un jeu quand même qui te dit que je ne travaille pas juste pour savoir ou dire ah ouais, ok, d'accord, merci, au revoir. Non, il te demande de travailler réellement. Voilà. Et puis, les illustrations sont vraiment magnifique parce que voilà parce que c'est toi et voilà et voilà et j'adore et j'adore et j'adore et j'adore. Voilà pour celui-ci et le petit dernier. Oh bah 1 heure, en fait je change pas mon temps de mon temps de visio. Alors, hop, hop et hop. Et on va passer au petit dernier qui lui aussi, pour le coup, je le trouve assez décalé par rapport aux autres. Pourquoi j'en achèterai plus de ce genre-là parce que celui-ci m'apporte énormément et il est comme un bouquin que je veux lire et relire. Je ne suis pas lectrice, hein, pourtant je vous l'ai dit, hein. Mais quand j'ai une espèce de lien, de fluidité avec quelque chose, c'est pas le fait de dire pour aimer lire, c'est le fait de relire ces mots qui me rappellent des choses, qui me donnent des images. Voilà, et comme je suis quelqu'un qui image très facilement, eh bien, lui, il me fait vivre, il me ramène. Et puis, en plus, ça se passe, mince, à la ferme. Voilà, et voilà, tu y es. Et qu'est-ce que tu as envie de faire avec lui? Eh bien, c'est un support qui est magnifique pour faire ressortir l'enfant. Quel que soit l'enfant et quel que soit l'endroit où cet enfant a vécu ou quelle que soit la façon dont il a vécu. Mais pour le faire ressortir, voilà. Et moi, c'est pile poil l'endroit et c'est pile poil l'âge aussi. Et tu prends une carte. Une carte et tu vas vivre pour une journée. Voilà, tu te dis, tiens, il y a eu une journée. Il a une façon d'écrire ce personnage, Scott Alexander King, où j'avais un oracle sur les animaux avec lui. Ouais.
C'est un personnage, rien que le bouquin, tu as déjà l'image. Et puis, je pense qu'il a voulu aussi faire passer comme message en disant, allez, d'accord, tout le monde a une vie, tout le monde a un passé, mais me dites pas que vous n'avez pas d'anecdotes, vous non plus. Vous pourriez peut-être bien vous reconnaître là-dedans. Et oui. Donc il est magnifique et je n'éprouve pas le besoin de retrouver des supports de ce contexte-là. Voilà. Voilà la petite vidéo et le genre de jeu que je n'achèterai plus. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Ils sont magnifiques. Ils sortent très rarement. Quand ils sortent, ils font vraiment leur boulot. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, eh bien, je vais continuer à sélectionner plus dans la guidance, mais pour l'instant, je suis accro au tarot. Là, j'en ai commandé un où c'est Sophie, les murmures de Sophie, où j'ai eu cette petite influence, hein. C'est une influenceuse aussi, elle le fait très très bien. Et il y en a un autre aussi hein, que je vais commander par la suite très rapidement aussi, qui cette fois où j'ai été très influencée par Audrey Paquerette qui l'a présenté, mais alors d'une manière incroyable. Et puis on a eu des petits échanges. Et puis c'est vrai que voilà, incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà, je sélectionne un petit peu plus pour pouvoir remplir mes petits casiers. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Et bah, je vous souhaite un très très bon lundi. Et puis merci pour tous ces contacts, tous ces échanges. C'est vraiment super, super, super. Et un grand merci aux nouvelles qui arrivent là. Hein. Petit à petit, c'est toujours très très agréable. Et puis bah, plein de choses, hein, les passionnés. Hein. Soyez passionnés, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.